Chapitre 8, à l'assaut de la muraille infinie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano pour la suite du Walk d'Inès 2011, donc on est au chapitre 8. on doit aller s'entraîner évidemment pour le prochain match, hein, c'était tout bête. Mais avant cela, je vais virer Nathan de l'équipe, enfin de l'équipe de la liste, de la formation de défi, je vais y arriver aujourd'hui, j'ai un peu la tête... Voilà... Bon, je vais laisser Axel à gauche, je le mets à gauche, j'arrive mieux, je trouve. Ou j'ai du mal à parler ce matin. Donc on y va, on va au local, on n'a pas besoin de s'attarder à chercher des coffres, puisqu'il n'y en a quasiment pas. Oui, j'ai fait l'expérience en faisant ma partie à côté. J'ai perdu à peu près une demi-heure de jeu pour trouver des coffres, donc je le ferai pas dans cette vidéo. Allez, c'est parti, premier défi. Yop, yop, yop. Et voilà. Normalement. Voilà, on va avoir droit évidemment à une petite scène. Alors comme vous avez pu voir, l'équipe de Zeus, j'ai du mal à parler, c'est fou, est arrivée de nulle part, donc ça laisse un petit doute quand même. Donc mais avant de s'occuper bien sûr de Zeus, comme ils ont dit, vous occupez de Teria, donc c'est ce qu'on va faire, et une petite scène. Thank you.
Alors là, vous avez avoir le droit à quelque chose que je déteste dans les RPG. Ce sont les allers-retours. Vous allez voir, on va faire que ça pendant un petit moment. Et... bon, c'est bien pour monter de niveau tout ça, mais au final, c'est un peu abusé. C'est-à-dire, si on veut monter de niveau, si on veut monter de niveau, on le fait, quoi. Là, c'est un peu... il nous oblige, entre guillemets, à monter de niveau, en gros. Donc j'espère avoir le plus de défis possible. Je vous explique pourquoi, parce que dans ce jeu, mon équipe, dans cette partie, parce que j'ai, je vous rappelle que j'ai deux parties, l'équipe est beaucoup plus faible. Donc j'ai pas eu trop de mal à gagner contre Teria avec l'autre partie, mais c'est en gros parce que j'avais deux niveaux de plus, deux trois niveaux. Chaque personnage avait 2-3 niveaux de plus, donc franchement ça aide beaucoup quand on monte, surtout à haut niveau dans le jeu. Donc c'est vrai que bon, oula, je fais n'importe quoi. Voilà. Là, ce matin, je suis pas du tout réveillé, hein. Mais c'est pas grave. On va quand même essayer de faire le walk. Et maintenant, on doit monter tous les étages. Super. Enfin, tous, non. Alors, si je me rappelle bien, je crois qu'il y a un coffre. Voilà, un coffre ici. Avec un cocktail vitaminé. C'est parti! Alors, sachez que comme dans la vidéo précédente, la première vidéo que je vais faire d'Inazuma, c'est beaucoup de parlotte. Donc c'est pas forcément très intéressant, mais par contre, au niveau histoire, on en apprend vraiment beaucoup plus encore. En même temps, on s'approche de la fin, c'est bien d'avoir plus de précision sur l'histoire, parce que bon, faire le jeu jusqu'au bout et au final de rien comprendre ou ne rien savoir, ça sert à rien, quoi. Mais là, on comprend beaucoup de choses, donc c'est quand même assez important de suivre cette vidéo. Non, je dis pas ça pour que vous la regardiez, non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, vous allez voir. Si vous restez, vous verrez donc qu'il y a... on apprendra beaucoup plus sur l'Inazuma Eleven, ce qui s'est passé il y a 40 ans, donc vraiment, si vous voulez comprendre quelque chose, il faut regarder cette vidéo. Alors juste une précision, pourquoi je fais une passe en arrière quand je commence ce défi? C'est parce qu'en fait, ça me permet en fait de faire une passe de plus et me permet d'avoir le bonus de beau jeu au moins d'un point. Même si c'est qu'une fois, c'est pas grave, ça fait quand même 6 points d'expérience, 8 points selon le défi. En plus, c'est pas négligeable, hein, vous en faites plein, imaginez 6 points, vous faites 100 défis, vous avez quand même 600 points, c'est on va dire quasiment gagner un niveau grâce à ces points bonus. Donc c'est pas négligeable, hein, de faire une passe de plus pour avoir ce bonus. Donc là, on va à la tour, hein. Logique. J'ai tous mes points techniques, donc ouais, c'est bon. J'avais un petit doute à ce niveau-là.
Et un aller et un retour. On a fait l'aller, on va faire le retour. Oui. Je déteste vraiment ça dans les RPG. Après, si c'est pas trop exagéré, ça va, mais dans le jeu, vous avez quand même pu remarquer qu'on fait souvent les allers-retours. Ah mince! Ah, j'ai pas vu, faut que je défende le but jusqu'au bout. Mais c'est parti, hein. Vous connaissez la technique, hein. Faites des passes entre deux personnes, parce que les autres restent... Et ça fait du bonus beau jeu, l'air de rien, même si c'est pas beaucoup. Et voilà. Ce fut très palpitant, je l'avoue. Donc Bobby va bientôt monter de niveau. Bobby, c'est très important qu'il monte de niveau. Parce que comme il monte lentement de niveau, il est pas super fort, on va dire. Mais ah, quand il est vraiment au niveau, ça, c'est un défenseur monstrueux. Donc vraiment pas hésiter. Si je me souviens bien, il y a un coffre à droite. Donc je vais le chercher, sinon je vais l'oublier. Là, ici, voilà. Voilà. J'aurais pas dû le prendre en fait, le coffre. C'est parti, on monte les étages. Non, non, c'était là. Voilà. On va avoir le droit à une petite scène encore. Maintenant on a le droit à une course-poursuite, je crois que c'est la première du jeu si je me souviens bien, et la dernière. Donc ça va être très palpitant, vous allez voir. Alors en sachant en gros que il n'y a pas de porte à cet endroit, ils étaient même pas obligés de mettre l'animation. Hein. Mais c'est pas grave. Excusez-moi. Donc. Je sais qu'il y a plein de coffres ici, enfin ici, surtout au-dessus, en fait, en natation, mais il n'y avait rien d'intéressant si je me souviens bien, donc on va pas s'attarder non plus. Là, on a un coffre. Non, c'est pas ici. C'est pas ici, je sais qu'il y a des coffres pas loin à chaque fois, mais... On va quand même éviter de se promener, parce que vous avez en fait tout votre temps au final pour ouvrir les coffres. Vous ouvrez pas, si vous les ouvrez pas, c'est pas grave. Ils seront toujours là. Hop, on le fout dedans. Vous avez vu ça? La passe à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en dites? Un truc qu'on n'a pas beaucoup eu, c'est marquer 2 buts. Nous gagnons avec 2 buts d'écart. On l'a pas eu ça encore. Donc montage de niveau de Bobby. C'est sûr qu'il y avait un coffre ici. Ah oui, quand même. Voilà, on a le droit à holo dribble. Je peux pas vous dire si c'est bien, je crois pas.
J'ai peut-être un doute. Donc on va avoir une scène là. Je vais vous laisser. En 2 secondes, je bois un coup. Ah, ça fait du bien. Allez, on continue. Vous avez pu voir une tête qu'on connaît, hein. Alors, on va ouvrir ce coffre parce qu'on a donc le droit à la formation arc et flèche. Donc il est plus là, j'imagine. Ok, et est-ce qu'on a autre chose? Ah, il y a un coffre ici, c'est mieux ce que je pensais. Avec rien du tout dedans, super. Donc on va au local. Il y a un truc en haut? Non. Alors, normalement, je pense que c'est quasiment plus rapide de ressortir pour repartir de la porte principale du collège. Alors là, ils disent de descendre, mais c'est pas du tout le chemin le plus court, donc montez. Et vous connaissez le chemin en même temps, j'ai pas besoin de vous l'expliquer à force de regarder mes vidéos, hein, vous connaissez tout. Il y a un coffre en bas aussi. Comme ça, c'est un défi, ça me permettra de jouer un peu. Voilà, ici, il y a un coffre ici, ouais, je vais me rappeler. Bon, il n'y a rien d'intéressant, évidemment. Hein, mais... Et voilà, un petit défi. Parce que j'en aurais quand même fortement besoin. Là, je force un peu les défis. Je pourrais aller me promener, mais je vais quand même pas le faire. Pas non plus exagérer. Et puis, c'est pas forcément intéressant pour vous. Allez, il faut pas que je me manque. Hop. Alors se mettre de côté, ça permet de tirer plus facilement et faire attention, vous avez plus de risque de faire des poteaux. Faites gaffe. Qu'est-ce que vous en dites? Donc Shadow qui monte de niveau, ça c'est bon. Faut pas oublier, enfin ça je sais pas si je l'avais dit, mais... Tout le monde prend de l'expérience, enfin tous ceux de l'équipe prennent de l'expérience, donc vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas obligé de tous les faire tourner, ils prennent de l'expérience quand même, mais bon. Mieux vaut mettre les meilleurs joueurs en fait dans les 4 premiers pour être sûr de gagner les défis. Allez, c'est parti. Thank you.
c'est parti, on va au hangar. Donc vous avez vu quand même que Red Ark était donc un ancien joueur de Dynamite Eleven, donc c'est première surprise. Puis on apprend vraiment pas mal de choses sur le pourquoi du comment, même si on ne sait pas encore tout. Mais je trouve que c'est assez bien tourné quand même. Franchement, quand j'ai joué au jeu, je pensais pas que ça irait entre guillemets aussi loin. Je me suis dit peut-être que le grand-père de Mark il est pas vraiment mort et tout, mais en fait si. Donc quand même c'est pas rien, je trouve. Je trouve qu'ils se sont gavés, faut le dire. Hein. Au niveau de l'histoire, c'est quand même assez niais, mais au moins il y a quelque chose derrière. Donc un truc à faire, c'est je crois que je n'étais pas allé, c'est aller dans cette ruelle en fait. Qui a un coffre avec à l'intérieur une clé, donc la clé du dojo, on y va y aller dans cette vidéo, mais plus tard. Et là on va aller au hangar. J'ai pas beaucoup de défis, ça m'énerve un peu. Là c'est sûr qu'il y en a pas, donc je risque pas d'en avoir. Donc là on va avoir une petite connaissance, hein. Bon c'est rien d'intéressant, mais voilà, ici vous avez donc... vérifiez rien. Vous avez donc deux personnages, quand vous leur parlez, vous allez peut-être reconnaître leur visage. Surtout lui en fait. Et quand même... Bon, on va voir. On va pas aller plus loin avec lui. Donc on va au hangar, c'est parti. Allez, on visite tout aujourd'hui dans cette vidéo, tout, hein. C'est le truc de malade. Allez, on va dans le quartier résidentiel. Normalement, il y a un coffre au niveau du terrain de jeu, juste ici. Là, voilà, vous avez pu peut-être le voir quand j'ai monté. Hop. Et on a le droit au manuscrit balle de terre. Balle de terre, je sais pas si c'est bien ou... Mais on en a pas besoin, donc on va pas s'attarder avec cette technique. Et donc on va parler à la maman. Thank you.
Donc maintenant, savoir... Mais où est-ce qu'on met cette clé? Mais où est-ce qu'on met cette clé? Donc il y a un coffre à gauche, là. Prenons-le, hein, soyons fous. Une brochette. Je veux juste un défi avant de partir. Soyons fous aussi. Bon, en fait, je crois que... Ah, j'allais dire, je crois que le jeu ne veut pas me laisser faire de défi. Allez hop, c'est parti. Bon, on passe ça. J'essaie de me dépêcher. Yep. Oh non, c'est dégueulasse. Bon ben c'est parti, on va galérer hein. Oh merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. On va tenter le lob. Tant pis s'il me fait une technique pour arrêter le but. J'ai pas utilisé des points pour eux quoi, c'est... C'est bon. Parfait. Qu'est-ce que vous en dites? Ça va mettre du temps à monter de niveau hein. On va laisser tomber le level up. Il faut aller donc Raymond. Alors c'est très simple, je sais pas si je vais montrer, je m'en souviens plus pour les premières vidéos, je vous ai peut-être montré un endroit qui est fermé à clé. C'est super simple, il a dit allons aux endroits qu'on a l'habitude d'aller et c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire, faut aller aux endroits où dans le jeu on va souvent. Je pense qu'il n'y a pas dans beaucoup d'endroits possibles au final, rien de rien. Tout simplement c'est ici, là, voilà, oui, c'est dans le local. Vous avez remarqué que dans le local, il y a une partie gauche qu'on peut pas accéder. On a l'impression qu'il y a un passage, c'est le cas. Donc, quand on a vu ça, on trouve ça logique. Mais avant ça, on va aller au dojo. Pourquoi? Parce que je vais arrêter la vidéo juste après le dojo. Et on va en profiter pour aller visiter, donc maintenant qu'on a la clé, profitons-en. Allez, on va visiter toutes les salles. Alors là, on a le droit à la carte de formation percée pour les défis, donc on va voir ce que c'est, hein. Soyons fous, je dis ça souvent ce matin. Donc percée, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est qu'il y a les trois au fond, si je ne vois pas grand-chose, ouais, c'est ça, trois au fond. Donc moi, je garde la basique. Voilà. Donc, je me souviens plus s'il y a des coffres dans toutes les salles. Non, pas ici. Enfin... Il y a eu un coffre dans cette salle déjà sûr. Alors sachez qu'il y a donc un personnage à recruter qui, comme dans les autres trucs, autres endroits qu'on ouvre, il apparaît aléatoirement. Donc là un maillot qui sert à rien, surtout pour le walk. Là on a le droit à la balle factice. Et c'est cette personne là qui se trouve ici qui des fois disparaît si on change de salle par exemple. Donc il suffit de lui parler et on va le recruter même si il est pas fameux hein. Mais bon. Donc il n'y a que lui à recruter, hein. J'ai déjà fait des essais dans toutes les salles d'essayer d'en faire apparaître, mais à niveau 10, bon il est pas mauvais, mais voilà, il est équilibré on va dire. Allez hop, on le prend, ça peut toujours faire office de remplaçant quoi au final. Donc là, au niveau des coffres, un ici, ah. Donc des points de motivation, et après je sais pas s'il reste dans un coffre, s'il y en a ici. Voilà, alors on a le droit aux gants de passion, des gants que j'ai achetés dans la vidéo précédente. Voilà. Gants de passion, donc j'ai d'autres gants mais qui sont pas assez... qui me donnent pas assez de défense. Donc maintenant on va pouvoir retourner au local. Je vais arrêter la vidéo là, alors j'espère que j'aurai bien calibré... La coupure entre les deux, puisqu'en fait comme je me suis beaucoup promené, je savais plus si j'en étais à la moitié ou pas. Donc... ah mais normalement il y a des coffres ici aussi. Attendez, on va en profiter quand même. Voilà, je crois que c'est les deux qu'il y a, les deux seuls. Et là on a le droit à la carte batte tout puissante. Donc je crois qu'on l'avait vu une fois, je ne suis pas sûr.
où le personnage prend son coéquipier dans les mains comme une batte de baseball et l'utilise comme une batte de baseball, hein, simplement, et un coffre ici. Et voilà, on va avoir un bracelet robuste, donc équipement là à la place du bracelet bouclier, je crois que c'est celui-là. Non, c'est juste la puissance. Ok. Alors, je vais lui mettre le pendentif puissance de bronze parce qu'en fait, la puissance est très utile pour les gardiens. Permet en fait, pour les gardiens en tout cas, d'augmenter leur capacité à défendre au final avec leur technique. Donc, c'est toujours bien d'avoir quelques points en plus. Et donc maintenant, on se place ici, je sauvegarde et je vais m'arrêter là. Voilà, je me mets en position de sauvegarde. Et donc je vais vous laisser là, donc, à tout de suite pour la suite de la vidéo. N'hésitez pas à passer donc sur mon Facebook hein, pour poser des questions, pour voir ce que je fais. Je mets à jour régulièrement cette page. N'hésitez pas non plus à poser vos questions pour justement la vidéo poser vos questions que j'ai mis en ligne. Donc vraiment n'hésitez pas, hein, ça prend pas longtemps. Laissez des commentaires si vous le souhaitez, si vous aimez cette vidéo, ça me fera toujours un peu plaisir, un peu. Chaque fois que vous mettez un commentaire, ça me fait un peu plaisir. Donc imaginez si vous m'en mettez plein, j'aurai beaucoup de plaisir, donc je raconte n'importe quoi. Je vous fais de gros bisous et à tout de suite.